la question comment en est-on arrivé à penser que le transhumanisme soit bon pour l'homme alors nous ne serons pas exhaustifs il est difficile de donner tous les éléments qui conduisent au transhumanisme et aussi tout est imbriqué alors tout d'abord le transhumanisme n'est pas une idée nouvelle Elle est vieille comme le monde. Beaucoup ont rêvé d'un homme qui pourrait dépasser ses propres limites, un homme tout-puissant, un homme au-delà de l'humain connu. Et nombreuses sont les légendes de l'humanité qui ont essayé de décrire le franchissement de la limite de l'humain connu. Cette recherche du dépassement des frontières de l'humain a hanté les nuits des alchimistes. Cependant, cela restait dans le domaine de l'imaginaire et du rêve. Alors comment le rêve ou l'imaginaire d'un homme dépassant ses propres limites naturelles a-t-il pu être pensé pour une majorité comme étant un possible souhaitable Alors il faut savoir quelle était la conception antique et médi médiévale sur la nature des choses. La conception antique et médiévale disait que la nature, c'est-à-dire ce que sont les choses, était un ordre que l'homme recevait et qui reflétait le divin. Pour le philosophe grec Aristote, chaque chose possède un être spécifique, c'est-à-dire une essence qui le dispose à une fin. Alors là, j'ai repris ce que dit un éminent philosophe en la personne de frère Benoît Domini. Euh, la nature, pour Aristote, doit être envisagée comme un vaste ensemble de réalités dont l'homme n'est pas le créateur, mais qu'il doit contempler et dans lequel il doit s'insérer. Autrement dit, chaque chose, y compris l'homme, possède une identité et une bonté intrinsèque et object objective. Ce n'est pas l'homme qui détermine ce que les choses sont et ce vers quoi elles, elles tendent, ces choses, elles doivent tendre, mais c'est un donné qui s'impose et qu'il faut respecter, dans lequel on doit s'insérer. Voilà la conception antique et médiévale, et qui est une bonne conception. Voilà. Mais voilà que à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, advient ce que l'on appelle le subjectivisme. C'est-à-dire que peu à peu, on s'affranchit de la vision antique et médiévale de la nature et on va entrer dans l'ère de la modernité. Comment cela et pourquoi ben, tout simplement avec les nouvelles découvertes scientifiques, avec aussi la découverte de nouvelles technologies qui révolutionnent le travail et le rapport de l'homme au monde, l'homme se trouve dans un nouveau rapport de force avec le monde. Ainsi, grâce à ses progrès scientifiques et technologiques, il prend conscience qu'il peut exercer une certaine domination sur le monde, ou pour le moins une domination sur beaucoup d'aspects qu'il ne pensait pas dominer jusqu'alors. L'homme, certes, a toujours essayé d'affirmer son moi. Le péché originel est l'expression de l'affirmation du moi de l'homme contre Dieu. Mais à partir de cette époque, ceci s'accentue considérablement. C'est l'avènement du subjectivisme. Qui va peu à peu rejeter toute objectivité, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur de soi. Tout ceci se traduira forcément dans la pensée philosophique. Et l'un des premiers à l'avoir fait, c'est Descartes, donc mathématicien, physicien et philosophe français. Ces dates, 1596-1650. Il est considéré le, comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Pourquoi Tout simplement, en ayant inversé l'objet de la pensée. Il ne part plus des choses, c'est-à-dire du réel, mais il part de la pensée. C'est le fameux cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est-à-dire la source de mon être n'est plus Dieu, n'est plus le, le réel mais ma propre pensée et l'idéalisme de Descartes va couper la philosophie de la réalité de ce que sont les choses voilà on ne va pas partir on va pas commencer à réfléchir à partir de ce que sont les choses mais alors pour René Descartes la nature n'est plus l'ordre transcendant que décrivait Aristote il ne s'agit plus de découvrir la soi-disant identi identité intrinsèque des choses, ni leur finalité dans, no dans, dans notre histoire. Alors, pour Descartes, les réalités corporelles ne sont qu'étendues. Autrement dit, elles ne possèdent que des propriétés mathématiques. Voilà. Donc, tout ce qui est réalité, pour lui, ce n'est qu'un qu ensemble, une, une, que du mesurable, ni plus ni moins. Mais elles n'ont pas de sens en elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est très important, de, de, il est très important de le comprendre. Les animaux, mais aussi le corps humain, n'ont pas de valeur en soi. Ce sont des mécanismes semblables... Euh, d'autres mécanismes tels qu'on les concevait par exemple au 18e siècle, tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui. C'est une machine parmi d'autres machines. Voilà. Du fait de cette perspective réductrice adoptée par la modernité, c'est à l'homme que revient la charge de donner à la nature sa finalité, c'est-à-dire son but, son sens. C'est l'homme qui va dire qui va donner et qui va dire cette chose aura telle finalité pour moi et elle pourra avoir une autre finalité pour un autre alors il n'y a plus de considération d'une quelconque loi naturelle ou d'un ordre divin inscrit dans les choses le principe qui gouverne les recherches de descartes est à ce titre très évocateur il nous faut affirme t il devenir maître et possesseur de la nature. Voilà, retenez bien cela. Pour Descartes, il dit il faut devenir maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que pour Descartes, on ne contemple plus la nature qui, qui nous est donnée, mais on en euh, on, on en devient le maître. On peut la, la travailler, la tordre selon le sens qu'on veut lui donner. La route vers les idéologies athées est ouverte, l'équilibre foi et raison est rompu, seule la raison, ou ce que l'on nommera alors la raison, subsiste. C'est l'homme qui va désormais décider ce qui est bien et ce qui est mal en fonction du sens qu'il donne aux choses. Dans cette perspective, il n'y a plus d'obstacle pour envisager un dépassement des limites de la nature. Tout devient moralement possible. Il ne reste plus, plus qu'à attendre que le progrès scientifique et technologique nous permette de repousser toujours plus les limites matérielles de notre nature. Ainsi, le transhumanisme devient possible, devient envisageable. Et c'est vrai qu'avec tout cela, la liberté va prendre un sens nouveau. Dans cette perspective, la liberté prend un autre sens. En effet, les choses n'ayant plus une finalité qui vaut pour tous et on va dire pour tous les temps, c'est-à-dire en rapport avec une vérité objective, la liberté n'est plus en, vu, en vue du bien que sont les choses, puisque cela n'existe pas, mais la liberté se résume ni plus ni moins à une liberté de choix. Dit autrement, la liberté n'est plus naturellement finalisée par le bien objectif que sont les choses. Dans la perspective moderne, la liberté se définit comme liberté d'indifférence vis-à-vis de toute inclination naturelle. C'est une liberté, nous dit euh, le père Bonino, en surplomb de la nature. La liberté est de choisir ce qui lui semble bon pour lui à tel moment de sa vie. Dans cette perspective, la liberté est complètement tributaire du désir. Le bien et le mal trouvent une autre définition. Il n'y a plus de bien ou de mal objectif, c'est-à-dire qui vaut pour tous et pour tous les temps, mais le bien dépend de mon vouloir, de mon désir. De manière caricaturale, les choses seront considérées bonnes par moi si elles permettent de réaliser mon désir, et elles seront mauvaises si elles ne le permettent pas. Répétons-le encore, avec cette conception de la liberté, le transhumanisme devient aussi possible. Et ceci constitue, il faut bien le comprendre, une rupture majeure dans l'histoire des civilisations et ouvre les portes à un humanisme athée et va ouvrir les portes au totalitarisme. Alors on va voir justement comment s'est développé cet humanisme athée, à travers, à travers quelques exemples. Nous allons voir comment cette nouvelle façon d'envisager la liberté, le bien et le mal, et notre rapport aux choses, va se déployer dans un humanisme athée. Mais une remarque importante cependant. Cette façon d'envisager le rapport de l'homme au monde ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle ne passera que peu à peu dans la culture et dans les, dans les mentalités. Car du temps de Descartes, nous sommes encore dans une culture chrétienne. Au début, il n'est pas question de nier Dieu, son rôle créateur, ni même la révélation avec Jésus, fils de Dieu sauveur. Descartes était imprégné de christianisme, même si certains disent qu'il était proche des Rose-Croix qui vont enfanter en grande partie la franc-maçonnerie spéculative. Qui influera la, la philosophie des Lumières. Descartes va simplement poser les bases d'une nouvelle façon de penser notre rapport au monde. Et ensuite, le système étant enclenché, il va se déployer pour parvenir à des humanismes où Dieu n'aura plus de place. On va aboutir donc à des humanismes athées et totalitaires. Alors, on a le stade intermédiaire entre Descartes et, et, et l'humanisme athée, c'est les philosophies des Lumières. Les philosophies des Lumières, appelées ainsi, car c'est la raison qui éclaire les hommes. Ils admettent Dieu, mais c'est un Dieu qui ne se révèle pas, qui n'agit pas directement dans notre histoire. C'est pour cela qu'ils refusent la révélation euh, et ils font la promotion du déisme. Dieu, pour Voltaire, est le grand horloger, mais ensuite, après avoir créé son horloge, celle-ci fonctionne toute seule, Dieu n'intervient plus. La lumière n'est plus donnée par Dieu par la révélation, et dire euh, que si dire cela, c'est, selon les, les philosophes euh, des, des lumières, c'est de l'obscurantisme. Après la Révolution française, eh bien, les hommes vont penser à un monde libéré de toute influence de l'Église et de toute référence à Dieu. Et Dieu ne sera plus un obstacle, alors, au transhumanisme, puisque l'on va s'en débarrasser. Et on va voir plusieurs penseurs qui se sont complètement débarrassés de Dieu et qui ont promu un humanisme athée. Alors, euh, euh, par exemple, le premier... C'est Feuerbach, donc qui est un philosophe allemand, 1804-1876, et il va en quelque sorte poser la première pierre fondatrice de l'athéisme. Il va dire Dieu, c'est l'homme. Le tournant de l'histoire sera le moment où l'homme prendra conscience que le seul Dieu de l'homme est l'homme lui-même. Voilà. Bon, après, euh, vous avez par exemple un Thomas Huxley, et pas à ne pas confondre avec les autres Huxley dont on vient de vous parler. Donc, c'est un anglais, philosophe et biologiste, 1825-1995. Il va répondre à la question de l'origine de l'homme. Ainsi, il va absolutiser les hypothèses euh, de Darwin, notamment qui faisait des hypothèses euh, sur l'évolution la possibilité d'une évolution. Donc ce, avec lui, avec euh, Thomas Huxley, ces hypothèses vont devenir des certitudes. Et il va dire, l'homme ne vient pas de la création de Dieu, mais il vient d'une évolution complètement fruit du hasard. La science a percé, va-t-il dire, le mystère de l'origine de l'homme. Si l'homme est le fruit du hasard, il, doit, il peut donc être malléable, il peut donc se redéfinir selon son gré. Et cela donc soulage la conscience de l'homme qui aurait eu encore quelques scrupules à entrer dans un projet du transhumanisme. Voilà. Prenons un autre, un autre personnage, Auguste Comte, donc un Français, 1798-1857. Eh bien, tout simplement, Auguste, Auguste Comte veut construire une nouvelle humanité sur une base scientifique. Ce sera ce que l'on appelle le positivisme. Tout dépend de la science. L'espoir de la science, qui seul peut rendre l'homme heureux. Voilà ce qu'il décrète. Ce qu'il euh, donc le transhumanisme, qui est le fruit de la science et de la, de la technologie, rendra l'homme heureux. Voilà. Freud. Donc, philosophe allemand que l'on connaît bien, enfin, philosophe, euh, il disait qu'il ne voulait pas faire la philosophie. 1856-1939. Eh bien, pour Freud, le primat est donné au désir. Euh, le désir devient un absolu. L'homme est un être de plaisir, et pour que l'homme puisse s'accomplir, il faut libérer en lui toutes les potentialités du plaisir. Il ne faut plus qu'il y ait de frontières. De limite. Il faut que l'homme puisse accéder à tous ses désirs. Eh bien, alors, le transhumanisme va le permettre. Nietzsche, 1844-1900, donc c'est un Allemand. Alors, Nietzsche, c'est tout à fait terrible, il me fait frémir à chaque fois. Euh, pour lui, le bonheur de l'homme, dit-il, est je veux. C'est la volonté de puissance, c'est une volonté de puissance exacerbée. Il va prêcher le surhomme, et cela convient bien avec le transhumanisme, l'homme augmenté. Il est, dit-il, enfin l'homme est créateur, il a en lui-même assez de puissance pour créer ses propres valeurs, c'est lui désormais qui définit le bien et le mal. Cela signifie aussi qu'il est le législateur du troupeau, dit-il c'est-à-dire son maître et son tyran. Il pétrit les hommes comme de l'argile et les sacrifie sans scrupule à sa propre exaltation. Je voudrais vous citer encore d'autres propos parce que euh, pour lui, Nietzsche ne croit qu'à une chose, à la vie, mais pour lui, qu'est-ce que la vie Elle est essentiellement volonté de puissance. La vie, dit-il, est... Euh, la vie elle-même est essentiellement appropriation, agression, assujettissement de ce qui est étranger et, et plus faible, oppression, dureté, imposition de sa propre forme. Voilà. Alors donc, euh, avec tout cela, le transhumanisme perfait, permet effectivement d'améliorer l'homme et de supprimer tous les avatars euh, que l'on peut, peut retrouver dans, dans la nature. Euh, voilà. Et de tous les avatars de l'homme encore trop liés à sa nature biologique. Dernier, dernier, dernier personnage Sartre, philosophe français, donc 1905-1980, donc vous le connaissez tous puisque vous devez tous l'étudier euh, en, en terminale au moins. Alors Sartre va faire de la liberté un absolu. La liberté coupée de toute morale et de toute responsabilité, ce qui compte, c'est mon choix. Pour lui, la nature humaine n'existe absolument pas, et donc à partir de lui, le processus de déconstruction de l'homme va s'accélérer pour le reconstruire à sa guise. Et c'est tout à fait ce que peut permettre le transhumanisme. Alors même si ces humanismes athées ont généré les pires totalitarismes, tels le nazisme, le communisme, et n'ont pas réussi à faire advenir un monde meilleur, on pense que maintenant l'humanisme athée, avec la possibilité du transhumanisme que nous offre la, techni la technique, va arriver enfin à la bonne solution. L'homme va enfin... Parvenir au meilleur des mondes. Voilà. Ce que le communisme n'avait pas pu faire, euh, avec le transhumanisme, on va pouvoir le faire. Néanmoins, pour que le transhumanisme puisse vraiment se déployer, il faut vivre dans un libéralisme total où sont connectés euh, le libéral et le libertaire. Il ne faut plus qu'il y ait de frontières. Et ainsi, on a façonné un monde sans religion, parce que la religion est une limite. Et c'est le relativisme et le laïcisme vont écarter le christianisme jusqu et jusqu'à l'idée de Dieu dans les esprits par le moyen de la culture et des médias. Ainsi, l'homme... Est libre de toute religion, il est donc contraint par rien. Voilà. Un monde sans frontières, donc euh, vous pensez à, la, à ce que l'on appelle la, la déréglementation, la libre concurrence absolue, le libéralisme bancaire de la fin du XXe siècle, vont faire émerger des multinationales plus puissantes que les États. Et c'est très intéressant. Parce que les États eh bien, favorisent les limites des cadres et empêchent eh bien, finalement euh, le, un certain dépassement de certaines limites. Tandis que si le monde est aux mains de ces multinationales qui sont très puissantes et qui peuvent contourner les États, eh bien à ce moment-là, on n'a plus de limites et on peut faire ce que l'on veut. Et c'est ainsi aussi que, dans cette perspective, eh bien, on, on redessine un, un monde au delà de toute frontière. L'émigration de masse n'est elle pas parfois il faut dire parfois utilisée à cette fin? C'est une question que certains se posent et qu'on a le droit de se poser peut être. Un monde libre de toute frontière. L'homme ne doit plus être un homme enraciné dans une culture, parce qu'une culture, eh bien, c'est une limite aussi, soi-disant. Dans une histoire, car cela empêche de cela, tout cela l'empêche de devenir ce qu'il veut, ou surtout, cela l'empêche de, de devenir ce que l'on veut qu'il soit. Voilà. Et puis. Euh, on a créé un monde sans la famille traditionnelle. Et nous connaissons toutes les lois sur la famille du XXe siècle comme des dominos. Elles vont. Euh... Pardon. Nous connaissons toutes les lois sur la famille du XXe siècle et comme des dominos qui tombent en cascade. La contraception qui mènera à l'avortement, qui mènera au mariage homosexuel et vont en toute logique conduire à la PMA qui conduira elle-même à la GPA. Donc euh, aussi, à travers euh, ce monde sans limites, un mondialisme ce, ce qui constitue un monde nouveau, eh bien, tout cela va participer à la création de l'homme nouveau. Un homme sans frontières, un homme sans famille, un homme sans religion. Un homme enfin libre de toute limite, de toute frontière, de toute contrainte. Alors, face à tout cela, on peut légitimement se demander si ce n'est pas une autre forme de totalitarisme sournoisement caché sous les apparences de, de la liberté, de la démocratie. En effet, les menaces de l'humanisme athée n'ont pas disparu. Le transhumanisme et les progrès de la génétique sur le génome humain ne laissent-ils pas les portes ouvertes pour un nouveau totalitarisme encore plus terrible que les précédents. Alors voilà ce que déclarait le cardinal Sarah à la messe de clôture du pèlerinage de Chartres de, de la Pentecôte de cette année. L'Occident actuel, sans Dieu, peut devenir le berceau d'un terrorisme moral et éthique plus virulent que celui de l'islamisme. Eh bien, on peut se demander si euh, le transhumanisme ne nous amène pas à cela d'une certaine manière. Alors comment revenir à plus de sagesse On hésitera d'y réfléchir, mais on donne un élément important de réponse en retrouvant une place pour Dieu créateur de toutes choses, et donc créateur de l'homme, qui est au sommet de cette création et en faisant que la science soit au service de l'homme et non pas que l'homme soit au service de la science que la science donc soit au service de l'homme mais de l'homme d'un homme qui a une finalité voulue par Dieu et que l'on respecte que la science respecte cette finalité voulue par Dieu voilà alors j'espère que ce petit parcours vous a permis d'entrevoir un peu comment, peu à peu, on est arrivé à penser que le transhumanisme pouvait être bon pour l'homme.